What the 9 tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve sur Just Cause 3 pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Vous voyez ce que je vois? Un train. Et quand il y a un train et un pont... Dégage-toi. Il y a un train. J'ai envie d'exploser le pont. Comme ça les trains ils pourront tomber, ça sera super fun. Alors on va placer quelques bombes, on va en placer une ici. Tac. Une petite bombe ici. On va en placer une là-bas aussi. Tac. Une petite bombe. Et une ici. Ça pourrait être bien pour commencer. Ok, il y a un train qui arrive. Donc c'est un moment parfait pour faire tout exploser. 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Le train! Yo, oh non! Il est tout cassé. Ce pont est définitivement cassé. Oh, regardez lui là-bas. Il va arriver, il va tomber, il va voir qu'il peut pas freiner. 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Waouh! Ce jeu, c'est tellement là. Comment dire? Le simulateur de film américain. Que des grosses explosions, que du gros budget. Un avion! Attendez, on va aller là-bas. J'ai envie qu'on prenne l'avion. La dernière fois, on l'avait fait, ça n'avait pas super bien marché. Mais j'ai envie qu'on retente ça. Du coup, on est parti, on va aller prendre l'avion rapidement. J'ai peur qu'il y ait un autre train qui débarque. J'ai envie de prendre cet avion-là, il a l'air génial. Regardez, là, c'est le MAF 26. Oh yes, du coup, on a l'avion. Alors, comment ça fonctionne? Oh non! Il y a un autre train! Ah! Putain! What? Fuyez! Oh! Au revoir, le train! Je pensais pas que le train, je pensais pas qu'un autre train allait venir en fait. Oh, regardez là le pauvre gendarme, il comprend absolument rien à ce qui se passe. Waouh. Bah ça veut dire qu'il y en a un autre qui va arriver de l'autre côté théoriquement. D'ailleurs il est passé où l'autre train? Il restait une voiture là, je sais pas où elle est passée. Elle est pas tombée. Il s'est évaporé le train. Ok alors, soit je suis devenu aveugle, soit l'avion a aussi complètement disparu. À moins qu'il soit tombé en bas. C'est pas impossible. Ce qui est bizarre dans ce jeu, c'est que, vous savez, il y a des gardes en gros, parce qu'on est dans une sorte de dictature, et les gardes, ils voient absolument rien. Genre là, le pont a explosé, il y a eu un tas d'équipements militaires qui ont été détournés, mais eux, ils s'en foutent. Oh, un autre train. Ah, vas-y, vas-y. Wouhou. Lui, il est parti complètement en chouquette. C'est tellement beau. C'est tellement beau, la destruction des trains. Qu'est-ce qu'elle fait, la voiture? En fait, je crois qu'elle a vraiment rien compris. Au revoir. J'aime bien le gros débris de pont. En plus, il y avait des gens en dessous, c'est-à-dire que c'est tombé sur eux. Oh, l'avion est là-bas. Ok, il y a un avion juste là. Oh, il est parfait. Il est encore mieux que le ma... Putain! Oh! Bon sang. Du coup, là, c'est bon. Normalement, l'avion devrait fonctionner. J'espère qu'il n'y a pas un autre train qui va arriver, parce que ça serait trop con qu'on meure. Yeah! Là, on est bien. Oh! On peut tout tirer. Boum! Yes! On peut tout faire exploser. Comment ça fonctionne? Ok, on est parti, on est parti. On est parti. On est parti. Ah non, non, non. Wouhou. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez de m'embêter. J'ai perdu mon avion. Et mon avion, c'est mon seul ami. On va leur montrer de quel bois on se refroidit. Putain, dégage. Wouhou. Ok, ça, tout va casser. Pouap. Ok, dégagez. Non. En fait, on a cassé un seul pont et on a réussi à détruire l'économie de tout le pays. Wouah. C'est la locomotive volante. C'est quoi dans le ciel? Un avion? Un hélicoptère? Non, c'est un train. Et elle retombe. Il y a un autre avion, attendez. On va aller le chercher. Ok, on descend. En douceur. En douceur. J'arrive pas à être... What? Mais non. Mais pourquoi mon avion... Pourquoi mon avion il prend feu? C'est de la mauvaise qualité. C'est du chinois, ça, c'est pas possible. L'avion est une mauvaise idée pour aujourd'hui. Je propose qu'on essaye juste de semer le chaos et de pas avoir d'avion. J'ai envie de monter, attendez. J'ai envie de monter sur le train. Oh, c'est stylé. Oh. Bon. Wouhou. Oh. Oh, on est même pas tombé. Il s'est passé quoi? Il a bloqué juste là. C'est pas normal, stupide train. Il a une Jeep. Attendez, j'ai envie d'aller voir si on peut pas prendre son véhicule. Ça pourrait être trop bien. Je l'ai collé à la voiture. Allez, on va prendre le véhicule et on se barre. On vole le buggy. Il est... Non, je l'ai... Comment dire? Je l'ai agrippé avec mon grappin aux roues de ma voiture. Non, le pauvre, il prend trop cher. Je vais t'appeler Steve. Je sais pas si t'appelles Steve, mais on va t'appeler Steve parce que c'est un bon nom. Et Steve, t'as intérêt à sourire parce que j'ai besoin de toi. Boum, dégage. Steve, c'est bien, t'es un bon garde du corps. J'aimerais bien qu'on aille plus vite, mais je crois que là, je suis déjà au max. Oh, regardez lui, il va beaucoup plus vite que moi. Et il a crashé. Et voilà, c'est ça d'aller trop vite, de pas respecter les 30 km/h de limite de vitesse. Par contre, là, Steve, t'es un peu gênant. Wouh! Il se passe quoi? Regardez, ils ont mis toutes les barricades, juste parce que j'ai volé une voiture. Je suis avec Steve, c'est mon meilleur ami. Laissez-nous tranquille. Je te le confie, Steve, t'as intérêt à le garder très longtemps. Venez en montant en haut de la montagne. J'ai jamais fait. Apparemment, là-bas, il y a une base nucléaire, mais je sais pas du tout comment on fait pour y aller. Du coup, on va monter la montagne comme ça, ça pourrait être fun. J'espère qu'ils vont pas me balancer des missiles ou quoi. Sinon, je vais mourir et la vidéo sera moins fun. En fait, ça fonctionne comme ça, les vidéos de Just Cause. J'arrive, je sais pas ce que je vais faire dans la vidéo, mais c'est fun. Dans ce jeu, si je devais avoir un métier, genre, que je pourrais pratiquer et qui serait super fun, ce serait vendeur de paillassons en porte-à-porte. J'explique pourquoi. C'est-à-dire que, en gros, je vole le paillasson de la personne, je toque à sa porte et je lui demande d'acheter le paillasson qui est de base à lui. Comme ça, j'en vends énormément, tout le monde en a besoin d'un paillasson pour essuyer ses pieds palmés et ça sera très bien pour commencer. Oh, une neige! C'est joli ça. Zone de combat.
C'était quoi ça? What? C'est passé quoi? Mais what? Ok, on se barre. Ils sont pas charlés du tout. Oh putain. On se barre. Rico, barre-toi. Waouh. On est foutus. Ils veulent nous tuer. Je sais même pas pourquoi ils veulent nous tuer. Théoriquement, on n'est pas méchants, mais ils veulent quand même nous tuer. Ok, on se barre. C'est pas fait pour nous ici. Ils veulent pas de paillasson. Il y a des choses à faire exploser là-bas. Je vais aller voir si je peux pas faire exploser des trucs. Parce que le but du jeu, quand même, dans notre Just Cause, c'est de faire boum partout. Plus tu fais d'explosion, plus t'es considéré comme quelqu'un de très cool. J'aime pas la pluie. Pourquoi il pleut tout le temps? Genre, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, il y a toujours de la pluie dans Just Cause. Ça a l'air tellement badass de faire ce que je fais. Genre, tu fais du wingsuit mais tellement ras du sol que même tu manges des fleurs tellement t'es proche du sol. Ok, vous voyez la base qui est là? On va essayer de la casser parce qu'ils sont pas gentils avec nous, ils nous ont pas nés de chocobon. Du coup, on va détruire la base qui est là. Regardez, 5, 4, 3, 2, 1, boum! Ah non, mais attends, je me suis trompé. Je voulais bazooka. Ok, boum! J'ai envie de tout faire exploser. Bim! Explosion! Bim! Ok, je suis très mal barré, je sais pas où aller. En tout cas, j'ai foutu un gros bordel. Wouhou! Waouh! Je sais pas ce que je fais! En fait, je comprends rien dans ce jeu. Hey, l'hélicoptère, tu vas arrêter de m'embêter. Je vais prendre l'hélicoptère, vous savez quoi? Fuck le game! Parce que là, il m'a saoulé. On va prendre l'hélicoptère et on va se barrer parce que là, vous m'avez tous saoulé. Bon, maintenant, j'ai un hélicoptère qui peut tirer des missiles. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que maintenant, je peux aller discuter à la base en fait. Quoi? What? Je comprends vraiment rien à ce jeu, c'est bizarre. N'empêche, je suis très solide. Parce que depuis tout à l'heure, je me prends énormément de balles, mais je meurs pas. Par contre, je me prends un arbre et je meurs. Ah, je suis vraiment mort. Aujourd'hui, je voudrais qu'on pleure tous la mort de Rico. C'était un tellement brave homme. Il était là, toujours souriant et... Oh, il est encore là. Rico, ça va, mémé? Tu joues à Angry Birds? Bim. Saleté de mémé. J'ai envie de prendre son corps et de le mettre ici. Est-ce que c'est possible? Je sais, elle est comme ça. On dirait qu'elle est en train de faire du yoga. Ok, mémé, toi, je vais t'emmener juste là, mémé. T'as intérêt à être chaude, parce que là, on part. Oh non, elle passe pas, elle est trop grosse. Va là-bas, mémé, va là-bas. Stupide mémé. Ça, c'est la ville qu'on avait libérée dans la dernière vidéo. Parce que dans ce jeu, le but principal, c'est de libérer des villes de la dictature. Mais nous, on s'en fout de la dictature, on est juste là pour s'amuser. Moi, je joue pas pour avoir un but, je joue juste pour m'amuser, traîner aux alentours, juste voir ce qu'on peut faire dans le jeu, voir les possibilités du jeu. Et oh, un tracteur! Ok, bon, elles vont être mouillées les vaches parce qu'il fait froid et qu'il pleut, mais c'est quand même des vaches, et les vaches, c'est trop bien. Prendre la voiture qui est là, et on va l'enchaîner à cette vache. Regardez, c'est parti, roule la vache! Wouhou! Yahoo! Boom! Ok, la pauvre vache, elle a pas supporté la crise d'épilepsie. Allez, vas-y la vache, rejoins ton âme sœur. Ah non mais, vu que j'ai mis des grappins sur les deux côtés, elle est quand même en bloquée. Et lui il fonce et la vache elle est en train de se faire traire à la limite hein. Là elle se fait traire avec ses grosses babines là, ou babelles, je sais pas comment ça s'appelle. Le gros machin comme ça avec les trois pis. J'ai envie de voir ce qui se passe si on met une dynamite à une vache. Viens là la vache, vas-y viens là. Je vais te poser une petite dynamite, ça, tu m'en voudras pas, c'est pour la science. Et la science des vaches c'est super important. T'es prêt? Enfin t'es prête plutôt, parce que t'es une vache, t'es une fille. 5 à 3, 2, 1. Boum! La vache explosive! Pourquoi il tire sur les vaches? Tu tires pas sur les vaches! Les vaches ont absolument rien fait. La révolution! C'est quoi ça? Genre, cette personne-là, genre, elle est arrivée, elle est sortie de chez elle, elle habitait là, elle faisait un camping et tout. Elle était en train d'étendre son linge. Elle m'a vu en train de jouer avec les vaches, elle a dit révolution! Mais c'est faux, il n'y a pas de révolution dans ce jeu. On va unir deux vaches. Et après, on va les faire exploser, regardez. On va unir les vaches. Voilà, parfait. Et maintenant, on va les faire exploser. Touk. Parfait. J'aime bien. Ce qu'il dit parfait, alors il va exploser une vache. Ok. La science veut savoir si on peut faire exploser deux vaches en même temps. Donc 5 à 3, 2, 1, go. Alors, ces vaches, c'est des X-Men. Elles ont complètement survécu. C'est cool. On va relier la vache à son rancher, comme ça. La vache, elle est partie en vacances. A plus. Elle s'appelait Betsy. C'était la plus belle vache de tout le pays. J'aime pas la discrimination envers les vaches. Parce que là, on est en train de tuer un maximum de vaches. Lui est arrivé en moto, il est mort aussitôt. En plus ça rime, avec Rico. Faut récupérer quoi en fait? Parce qu'on doit lui parler? Ah ok, faut prendre une voiture et il va nous suivre. Je sais pas du tout où on doit l'amener. Y'a une quête ou pas? Parce qu'en vrai je sais même pas où il faut l'amener. En fait là je suis en train de faire un covoiturage mais je sais même pas pourquoi. Oh, attends on va prendre le tremplin. Vie extrême! Je me barre, meurs. Échec, le rebelle est mort. En même temps c'est normal, il a pas activé son parachute. Entre là-dedans il fait tout péter, ça je sais faire. Ça je vais le faire, vous allez voir je vais faire tout péter. On va même sortir directement le bazooka pour pas perdre de temps. On est parti, on va monter là-haut, attendez. Comment je peux faire péter tout ça? Ça va être très compliqué. Bon, déjà il faut rentrer en discrétion. Bim! Attention,
a distancia. Vous savez comment on dit attention en espagnol? On dit a distancia. Ça, ça vient de mes cours d'espagnol. En fait, non. Moi, je veux dire que miamo et gâteau. Gâteau, ça veut dire chat. Un gâteau en espagnol, ça se mange pas. Un gâteau en espagnol, c'est un chat. Moi, au début, je pensais que c'était un gâteau parce que je me suis dit gâteau, c'est gâteau. Mais en fait, gâteau, c'est pas gâteau. Ok, toi, t'es mort. Toi, tu crèves. Toi aussi, vous m'avez absolument tous saoulé dans ce jeu. C'est cool de faire péter les réacteurs. Bim! C'est cool de faire péter la voiture. En fait, c'est cool de tout faire péter théoriquement. Les turbines, je sais pas à quoi elles servent. Elles doivent servir à alimenter quelque chose. À alimenter mon pénis. Et là, on le détruit. Bim! Ok, là, il y a des turbines. Ça, je peux les casser. Ok, pas de problème. Ah, attendez, s'il vous plaît. Changement d'arme. J'aime pas celle-là. On va casser les turbines qui sont là. Il y a plein de choses ici que j'ai pas fait. C'est quoi ça? Ça a l'air trop bien. J'ai tellement envie de le casser. Pas eux! Dégagez! Vous voyez pas, je suis en train de faire mon taf. Chacun a son taf. Vous, le but, c'est de protéger. Moi, le but, c'est de tout casser. Hé, hey, tu vas te calmer, Pedro. Il est où, Pedro? Pedro, je t'avais dit, on se calme. Tu vas mourir. Alors, Pedro, ça te fait quoi être mort? Maintenant, je vais te mettre là et tu vas penser à toutes les erreurs que tu as commises. Reste comme ça et t'as pas intérêt à bouger. Sinon, tu seras encore plus mort. Ok, on a libéré. Ah non, c'est quoi? Oh, on a débloqué un nouveau véhicule. On a débloqué Urga Postokla, un nouvel hélicoptère. On pourra s'en servir la prochaine fois. Oh, trop bien. Bon, après les récompenses, le reste, je m'en fous, moi, je vais juste l'hélicoptère. Bon, donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé à jouer à Just Cause aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, donc c'est normal si la vidéo était pas aussi dynamique que d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos sur Just Cause 3, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. A plus tout le monde, c'était Rayton, et ciao.